Oui, mais le niveau de l'eau, ils sont débits en temps réel à la Meurthe. Tu peux consulter ça sur Internet. On dirait pas, je trouve que l'information circule mal, mais en France, on a d'excellents dispositifs techniques dont les données sont libres, elles sont accessibles au public. Faut juste mettre les adresses, tu te connectes et t'as plein de trucs. Là, je sais plus qui, j'ai enseigné le Keraunos pour les impacts de foudre au sol. Non, c'est vachement pratique. Entre autres, toutes les bases de données, rassembler les infos, ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, il y a du vent, mais là, ça fait du bien le vent, là. Faire une petite pause 360 degrés. Oh, oui, comme tu veux, tu peux rester dans le chemin de la caméra. Tu veux faire dans le sens inverse comme ça, vous me verrez passer combien de fois? Ah! Un petit 360. En avion, attention, le sage après, il en pleine heure. Bah, je pourrais pas faire Franck Zapata là, avec son système d'homme-fusée. Là. Ah, oui. Oh mon dieu, j'aurais trop les jetons. Mais c'est vrai que le mec, il a le génie d'avoir monté son projet. Mais être le cobaye de sa propre expérience, j'ai envie de dire, excuse-moi le mec, mais il en a dans le pantalon, pour parler très familièrement. C'est un gros risque de te tuer. Faut franchement avoir l'audace de se lancer. Remarque, regarde, les premiers qui ont inventé l'automobile, un des premiers morts de la route, c'est celui qui a inventé une bagnole, mais qui avait oublié de freiner. Il n'y avait pas de frein. Il n'avait pas pensé qu'il fallait à un moment stopper l'élan de son véhicule. Il est mort dans son prototype, parce qu'il avait construit un véhicule sans frein. Il faut penser à tout. Ouais. Ah bon? Oh, c'est ta première pour toi. Ah, tu m'étonnes. Bah, toi qui es grand marcheur, t'as fait le plateau de haies? Peut-être plus dans ton secteur? Ouais, plateau de haies. Oui, je fais pas le tour. Ah oui, alors là oui, le plateau de haies, il est immense. Oui, donc là, on va faire le tour, punaise. Honnêtement, je crois qu'il peut se faire en un jour, mais t'as intérêt à venir très tôt le matin et tu finis très tard le soir. À la limite du genre aurore crépuscule quoi, carrément. Une voiture. Ah oui, pour y accéder, d'accord. Je vous ai dit quelle idée de faire le tour en bagnole. Je suis il est fou. C'est un scandale. Ou alors à vélo. Vas-y, je suis déjà allé à vélo une fois avec mon tout. Ah. Ah non, j'ai pas fait à vélo moi. Je sais quoi, j'aimais bien une fois dans la forêt. Peut-être que près de moi aussi. Bah, moi qui aime bien les tutures au plateau de Haye, il y a un musée de l'automobile et j'ai jamais eu le plaisir de le faire. Une fois bah, avec mon cousin là que vous connaissez, Rioli Saiba, et on s'était dit qu'on se le ferait et on l'a jamais fait. Donc c'est un peu une déception, mais bon, tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour on le fera. Eh oui, là ça filme toujours. Hein. Là, je crois que je suis parti pour avoir une séquence bien longue. Bon, bah, c'est bien, c'est la séquence principale. Ouh.
peut-être pas tarder à marquer une petite pause pour boire un coup. Je commence à avoir sérieusement le gosier à sec. J'ai plus de réserve d'eau, mais j'ai pas ça. Il me reste du café. Ah, le café, je pense que je t'en chipperai un peu. Ouais. Tout à l'heure, quand on sera à la sortie de la grande boucle. Ouais. Par contre, il faudra que je trouve le bon endroit où il y a des bancs. Je crois savoir où il y en a. Ouais, on en a vu quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, le rythme là. Oui. C'est pas le. La journée, du coup. J'ai pas trop vite, je veux dire. Non, ça va. Bah, tu vois, on s'épuise pas non plus. Le rythme est bon. Je commence à avoir un peu mal aux semelles. Ah. Ouais. Bah, moi, je sens bien ma plante des pieds, mais c'est normal. C'est pas la douleur du début de blessure, pas du tout. Ouais. J'en suis encore loin. Mais non, c'est bien. On est tous deux bons marcheurs, donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je sais plus, ça va me revenir après. Alors, je ne l'ai pas dit tout, mais un silence, hein, que... je réfléchis, que ça me revient de l'esprit. Je vois pas en fait. Ah non, là, c'est relaxation, contemplation. Des vignes, ça? Je crois que c'est des vignes. Je sais pas, mais les feuilles, ça ressemble un peu à des vignes. Mmh. Un petit peu. Après, c'est petit, quoi. Non, c'est trop petit pour être des vignes. Ah, je crois pas. Mais ouais, bon, bizarre. Ça, c'est une base de chardon. Hein, une base de chardon. Les feuilles m'ont l'air un peu. Ouais, ouais, ça fait chardon. Ça fait un peu. Oui, tout ce qui est nature, biologie. Moi aussi, je suis pas fort. Des éléments de nature, des plantes. On va peut-être pouvoir bifurquer, mais peut-être pas tout de suite. D'accord. Parce que je t'avoue que le sentier là, je le connais pas trop. Et on voit qu'il est pas trop usé. On voit qu'il y a quelque chose qui se dessine. Ouais. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un chemin officieux. Non, là, la partie en bas un peu boisée, là. Enfin, boisée. Le petit bois. Oui, on risque d'y aller. Ça va être l'objet d'une demi-heure maximum, l'aller-retour. Mais ça vaudra le coup, c'est sympa. Avant de reprendre la grande boucle et de revenir près de la, j'allais dire de la statue. Je pensais déjà à la plastane. À l'antenne. La statue, l'ont déplacé exprès. Je m'en doute qu'il a déplacé exprès. Ouais. Et donc ça, on dit, ah bah c'est bon, c'est fini. Après, on rentre en bus. Il y a un bus d'ailleurs qui va jusqu'au plateau. Non. Pas tout à fait. Au pied du plateau, il s'arrête à Pixéricourt. D'accord. Qui est en fait l'école justement de biologie nature animaux là. Ah, ouais. C'est plus proche. Mais non, il n'y a pas de bus qui grimpe jusqu'au plateau, non du tout. Oui, c'est vrai qu'à part le groupe de randonneurs tout à l'heure, je pense que c'était ça. Ma grande surprise. Non, c'est bien, c'est vraiment l'idéal. Alors, il y a quelques années, j'avais fait la rencontre d'un monsieur qui était un spécialiste de l'herboristerie. Et le monsieur m'avait dit. Oh là là, vous n'avez pas idée. Je suis en train de prendre en photo telle fleur, il m'explique, alors j'ai rien retenu. Mais il me faisait comprendre que le végétal en question, qu'il voulait immortaliser en photo, c'est un végétal qui était rare et qui fleurit pas toujours sur le plateau. Et c'est vrai que depuis la fleur, je l'ai pas revue.
fois, je me suis fait peur. Il y a quelques années, je me suis laissé surprendre par un orage. On n'était pas en alerte orange orage. Et il y a une formation orage aussi qui s'est faite. Et en plus, je crois que c'était un matin. Ça m'a d'autant plus surpris. Et j'étais quasiment là, quoi. Enfin, sur le versant là-bas, plutôt du côté des arbres. Puis je vois un éclair avec le point de foot qui chute, mais plus en contrebas, en aval. J'ai dit, oh putain, je suis en danger de mort. J'ai tracé. Bah oui, eh oui. Donc j'étais vraiment en danger de mort. Donc j'ai tracé, mais alors j'ai dû faire le sprint le plus fou de ma vie, là, moi qui suis pas un sprinter, juste en endurance, je suis bon à la marche, mais... nulle part. J'étais vraiment à la merci de me faire foudroyer. Bah vers chez moi. J'ai descendu en trombe dans la vallée, mais avec les chocottes, quoi. Non, je pense pas que c'est du coton, je peux pas dire ce que c'est. Mais non, c'est une boule mystère, le machin. Ah oui, pousse de chardon. Bah tu sais quoi, il y a des épineux. Il y a des épineux aussi. Ouais, mais... On m'avait raconté qu'ils sont passés à cette période. Normalement, on devrait avoir que des feuillus, comme tu as dit tout à l'heure. Ah ouais. On le voit là, dans le paysage, c'est surtout du feuillu. Près du bord du plateau, il n'y a pas des conifères. Si, là, on en voit un peu là. Ouais. On en voit un peu. Bon, attends, je fais une petite. Oh non, je regarde autour du cou, je suis content. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de mal. Mais je vais faire une pause. Attention, ça va bouger la caméra parce que je vais. Mon sac à dos. Glou-glou. Non, non. Non, j'ai pris le collier, t'en fais pas. Tant qu'il ne pas avec ça. C'est juste que le plan de caméra va pas être naturel. Ben, j'ai un peu de froc aussi. Oh, laisse-le tomber, va, il tombera pas plus bas. Oh là là, t'en fais pas. Avec ta bonne boîte, t'inquiète pas, ça va retenir la pâtisserie. Va. Ah, bah, tiens, vous voyez un peu mon schmilblick. Ah. Ouais. Elle est morte. Oui, à la base, qui est très bonne d'ailleurs, je découvrais. Bah tiens, avec mon copain que j'avais reçu quand j'avais acheté ça, on avait dit que c'était ça, on se faisait un mélange. On mélangeait ça à du, tu sais, des blocs multivitaminés. Là, les gros cubes, jus de fruits multivitamines. Il y a un truc qui m'embête, c'est les tiques qui vont dans tout ça. Oui, elles sont, pardon, ouais, elles sont très le sang. Le verre, je l'ai rangé sur le côté, moi. Hop là. Verre à framboise. Je vais te servir en premier. Ah, merci, monsieur. Ça déshydrate pas le café? Non, ça va. Bah, avec tout ce que je vois comme flotte, ça passe. Oh, je n'ai plus. Oh merde, déjà, oh mon pauvre. C'est pas grave. Ah bah merci. J'ai pas. Alors aujourd'hui avec Frobose, atelier dinette sur le plateau. Attends, on va faire les. Et on disait qu'on buvait le café. C'est et ça. On disait que ceci, c'est ça. La vache, il est encore chaud. Ouh. Je me suis impressionné par la chaleur qui se dégage du gobelet. Bah, disons que j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Ouais. Ensuite, j'ai mis dans la thermos, ça prenne un peu la chaleur. Mmh. Et ensuite, j'ai versé dans une casserole chaude de la bouilloire. J'ai versé de la thermos, la casserole, du coup, le café arrivait chaud, il restait chaud, et je l'ai versé dans la théière qui était chaude, et du coup, ça reste chaud. Ah, bravo. Ah non, c'est agréable. Ah ouais, thermos, bien. Ça garde la chaleur. Putain, mais comment tu fais? Tu gobes tout? C'est pas possible. Ouais. Oh là là. Je vais faire un buveur, attention. Hein. Ah ouais, non, moi, je vais siroter tout doucement, c'est. Je vais faire 500 mètres avec toi. Tiens, d'ailleurs, on voit quelqu'un qui court là-bas au loin, en jaune, fluo. 500 mètres avec la tasse à la main, moi. J'ai croisé quelqu'un, bonjour, ou Adams. T'es très décontracté. Ah ouais, ce serait tout à fait mon genre. Allez, go.
Ouais, un petit coup au genou en me relevant avec mon sac qui doit faire 10-15 kilos. Jean-Claude, oh merde! Oh ah, excuse-moi! Je rigoler, excuse-moi. C'est pas grave. Non, c'est moi qui suis juste malheureux en remettant. Dans l'axe. Ouais. Mais dommage, j'ai perdu une gorge bêtement. Là. J'ai eu un geste malheureux, c'est pas grave. Manquait plus que ça. Ah. Et voilà la preuve, hein, je me promène avec la tasse en main. Santé. J'ai passé la personne qui l'a fait. Oh non. Banane. Et le Nécolois, eh oh, vous avez les liqueurs. Un petit buffet, écoutez, you. Café gourmand. La façon dont t'as dit moi, t'as... Oh, tu peux être sûr que Fun Fun l'aura déjà clippé. Le café. C'est vrai. Aïe aïe aïe. Oh putain. Ma tête. Aïe, t'es parti dans un fou rire. C'est moi qui ai le virage. Ah non mais... T'as rien compris à la fille ou quoi? Ah là là... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est ce moment là. Bah oui... Moi ouais, ça enregistre toujours, hein. Je vais le voir. Quand il dit ça, c'est marqué, oh, je vais copier un café. Quand il dit, je prends quelque chose, je vais copier un café. Ah là 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 là... C'est malin ça, c'est malin. Oh. Ah je vois ça. Alors on voit qu'il est mort. Oui, c'était quoi fait. Ça souffle. Ah oui, ça souffle. Oh. On a perdu Froboz, hein. C'est pas grave. Ah mon Dieu. Ah. Ah là là. Il restait juste un fond, c'était pas vraiment gobé. Bah oui. Je me demande si au loin, sur la droite, on n'entendait pas le cri perçant d'un rapace. Là, oui, bien. Là, on entend comme un cri d'aigle. Pic, pic. Ouais, ils entendent le vent. Alors là où je suis déçu, c'est que je m'attendais à voir, et on voit là-bas il y a des bidons, des citernes. Je m'attendais à voir et à éventuellement approcher, je vous parlais de moutons. Pardon, je rate mon café. C'est dégueu, excusez-moi. Moutons avec l'âne, avec la transhumance. La transhumance, mais là apparemment, là ils sont bloqués dans un bois, mais on les voit pas d'ici. Donc. Thank you.
l'hôpital passé militaire du plateau. Il y avait les militaires qui s'exerçaient ici avant. Dans les années 80 encore, c'était privé, réservé à l'armée. Si, ou tu expliqueras sur le direct Twitch. Tu retires l'anecdote étudiant remplace les militaires, Artem, etc. Trahis pas, il y a une petite baraque aménagée en espérant qu'elle soit restée en état. De toute façon, je pense qu'on va passer devant une première fois. Voir, c'est sur le retour que je pense que je dégusterai avec plaisir la soupe de tartare. Et il n'y aura plus qu'à prier qu'avec tout ce vent, ça aura fait fuir les guêpes. Ah là 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 là. Tu sors la tarte, il y a plein de guêpes qui arrivent. Ah non, pitié, une fois mais pas deux. Sur la date graphique du téléphone. J'espère juste que je suis calme à peu près. Désolé, je sais pas, je sais pas. Le stabilisateur. On n'a pas de budget. Ah oui. Ouais, bof, non, j'allais dire. Je pensais à un truc, mais je vais faire pas ressasser encore. Ouais. Voilà. C'était l'instant balèze. Ah ouais. On s'est dit, oups, on va immortaliser nos propos sur Internet. Danger. Non, à un moment, je coupe.